Dans un frémissement de moustache, Mario éternua du fond du cœur. Un grain de sable était venu chatouiller le nez du héros. Peu après, Mario et Tipeee découvrirent d'où venait le sable, du désert d'antan. Suivant la piste sablonneuse, Mario et Tipeee poursuivèrent leur quête. Eh oui, c'est le désert. Chapitre 1-3, les sables d'antan. Fais gaffe, a pas dit qu'il y a des ruines par ici. Le cœur pur ne doit plus être très loin, enfin mieux se dépêcher. Allez, petit 3D là direct, hop, ça sert à rien. Ouais, ça va. Juste que je fasse un peu attention. Là, on va aller dans un stade. Oh! Là, il devrait pas trop y avoir de dialogue là pour l'instant. Voilà. Oh! Une fleur rapido, elle accélère le temps pour un court instant. Chaque ennemi vaincu vous rapportera aussi 3 fois plus de points et de pièces. Allez go! Tous ces abris, c'est ça, zombie pignon! Voilà! J'essaie de rush un peu, hein. Ouais, c'est bon, les mini Mario, je m'en fous de vous. Je dois juste revenir là où j'étais. Tu sais, j'ai raté plein de trucs là du coup. Oh! Allez! Allez, les pièces. Bon! J'ai oublié le rocher. Oh là, il y a un ennemi. C'est un déclef. Ne confondez pas cette tête de pierre avec un caillou. PC Max 2, attaque 1, défense 2. Les flammes sont inefficaces contre lui. L'exodo pourrait tourner le dos, rendant vulnérable à une attaque. Bon, bah, je prends avec moi. Alors... Ah! Ah! Bon. Encore un grand. Bon. C'est quoi? Va mourir. Putain! Le boomboxer balance des ondes sonores destructives sur les ennemis. PC Max 4 puissance 2, sa propre musique le fait sursauter. Qu'est-ce qui pourrait pousser un amateur de musique à écouter une chose pareille? Ah, bonne question. Derrière les têtes qu'il fait là. Voilà. Merde. Cette espèce de dinosaure est un bleu rex, il mord tout ce qui se passe à sa portée. PC Max 5 puissance 1, son seul point faible se trouve au bout de la queue. Son champ de vision est limité, repassez en 3D et placez-vous derrière lui. Ok. Voilà. Ah
Voilà, il y a des caves, je vais pas trop m'en occuper en vrai. Alors... Oula! Oh, le clipping là! Wouh! Une carte attrape! Capture l'âme d'ennemi, enfin quand ça marche. Alors là, il y a un ennemi là-bas. Ok. T'es qui toi? C'est un soporifique, comme le Pokémon. Comme son nom l'indique, ce nuage libère un puissant gaz soporifique. PC Max 5, puissance 2, ne vous approchez pas trop, ce gaz endort en un instant. Certains disent que le gaz sort de sa bouche, d'autres disent qu'il sort d'ailleurs. Genre de son cul. Charmant. Ok. Ah! Un truc là! Un pot de miel! Oh! Pour les recettes ça! Alors, les cartes attrape. Je pourrais utiliser un sur lui. Et bah ça a échoué en fait. Ok. Attends, reviens là toi. Faut vraiment les balancer les uns sur les autres. Hein. Ah là. Ah. Quoi, t'y avait pas un truc avec le... Je me trompe peut-être. Il n'y a pas un truc avec le... Ah, le palmier rouge, là. Panneau d'antan. Trouvez le grand palmier rouge et sautez 10 fois dessous. Ah, ok. Bon, bah voilà. Donc, le palmier rouge. Ok. Palmier rouge était un peu plus loin là-bas. Pas du tout! Je me suis trompé. Ah là là! Et attends, il était où le palmier rouge? Ah, il était peut-être là où il y a la porte. Il était peut-être avant en fait. J'ai failli oublier. Oh, il est où déjà? Il est là-bas, je crois. Hein. Voilà, il est là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai même pas sauté 10 fois, c'est pas grave. Alors, passage suivant. Ah,
Y'avait rien ici. Allez, go, go, go. Ouh. Attends, quoi? Des blocs cachés? Attends. C'est un zombignon, c'est un chevillon maléfique qui s'échappe des blocs. Des blocs pour interrogation, puis c'est max 1, attaque 2, il peut se déplacer très vite dans un espace confiné. Il a pas de PC, il aurait pas vous poser trop de problèmes. Merde, j'ai raté l'occasion de le tuer. Oh! Ça, c'est un chemin comme j'aime. Bah alors les Goomba piques. Ok. Allez. Non. Je suis arrivé. Voilà. Oh. Une pêche. Attends, je peux aller là-haut, là, on est d'accord. Oh, bonjour, toi. C'est un Goomba Pic, regarde ce casque pointu, PC Max Attaque 2. Lui sauter sur la tête ou l'attraper serait pas vraiment une bonne idée. Je conseillerais de lui balancer quelque chose, de simplement l'ignorer. Bon, on va l'ignorer, parce que j'ai rien pour attaquer. Ok. Ah. Allez, des blocs. Encore des blocs. De blocs. On commence à avoir un bon petit paquet de pièces là en vrai. Hein. Par la barbe du grand sage! Alors c'est toi qui fourres ta moustache dans les affaires de mon chef, hein? Il y a un thème qui est trop drôle. Oh, t'aurais pas dû te frotter au compte, mais je vais devoir m'occuper de ton cas. Toi, tu es un dispire du compte Niark, n'est-ce pas? Ouais, Macassane que je m'appelle d'abord. Et je suis pas vulgaire spire ma poète, je bosse pour le compte Niark, moi. Un mot du compte Niark et moi je vous castagne la fête. La fête? Je veux dire la tête. Ah, poète, on s'en fiche comme de l'an 40, vous êtes foutus de toute façon. As-tu les moindres idées sur ce que le compte Niark mijote? Prout, voilà. Le chef, il veut remettre de l'ordre dans ce monde avec ses pouvoirs. Et les ennemis de Niark sont pour les bienvenus, alors moi je les castagne. Ce Macassane est plus coriace que tous les ennemis qu'on a affrontés. Peut-être qu'on devrait utiliser mon pouvoir pour trouver son point faible. Oh, sacré venu, Dieu, tiens! C'est le moment de frapper dans l'art du moustachu! Geronimo! Putain! C'est Macastane, c'est un costaud à vrai, avec une barbe et des grands bras musclés. PC Max 20, puissance 1, attaque 1.
Il peut vous attraper par les pieds et vous jeter au loin. Ne restez pas à portée de ses bras ou il balancera contre les murs. Battez-le à son propre jeu en utilisant vol lance-loi pour le faire voler à son tour. Ok. Voilà. Faut faire ça. Ah ouais, il peut faire aussi ma super attaque là. Genre celle-là, voilà. Mais bon, elle me fait pas très mal. Hein. Mais au moins, on le voit frimer. Voilà. Je suis foutu. Je me suis fait castagner. Toi, t'as même pas une petite goutte de sueur. Ah, t'as un drôle de petit gars, c'est ça. Ce drôle de petit gars n'est autre que Mario, le héros légendaire. Maria, hein. Oh, drôle de monde, je dis, mais je m'en souviendrai. Ah, marteau, mariole, Maria. Ce n'est pas Maria, c'est Mario. Coute-moi bien, Maria. Si t'avais pas l'air aussi sûr, je t'aurais castagné sec. Mais bon, je te laisse tomber, on dit qu'à égalité. Mais va falloir muscler tout ça la prochaine fois. Et puis pense à te faire épiler la moustache tant que tu es Maria. À la voyure. Je me castagne. Il s'en va vraiment en pétant là, putain. J'avais oublié ça. Est-ce que t'as compris un seul mot de ce qu'il racontait? Ouah, petit point de détail. Alors... Il y a deux chemins. Invoque un méca champignon. Un méchampignon qui croque vos ennemis. Essayons. Croiser vers l'écran. Ok. Allez, tiens. Voilà. Allez, mange-le là. Et ça sert à rien d'autre. What? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est terminé. Montez sur la plateforme bleue et... Ce qui suit est destiné au héros uniquement. Gauche, gauche, gauche. Regardez ce côté de ce panneau. Appuyez sur moins et 1 pour que quelque chose se passe. Ok. Oh. Ok. Donc moins et 1. Faut que je retienne ça. Bon, bah il reste plus qu'ici. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est un cryogénique. Cryogénique. Comme son nom l'indique, ce nuage referme un puissant gaz réfrigérant. Son gaz peut vous congeler sur place, alors faites attention. Certains disent que le gaz sort de sa bouche. On connaît la chanson. Oh! Oh, poudre à gâteau! Oh, ça a quelques objets intéressants là.
Ouais, je pense que je vais faire qu'un chapitre là, parce que là il est bientôt fini le chapitre en vrai. Et on s'approche des 2 heures de stream qui plus est. Ah, il y a les piliers. Hein. Ok. J'appuie sur A et moi. Moi et A. Bref. Allez.